Salut à tous, ici Shamalo de la chaîne Epic Crafting, et donc ici on se retrouve pour la suite du walkthrough de Pokémon Rouge Feu. Je crois qu'on est à l'épisode 8. Alors on s'était quitté avant d'entrer dans l'arène de Céladopol, la quatrième ville de cette série. Donc pour accéder à cette arène, on utilise le petit truc de coupe comme ça, et puis là on va parler au vieux pervers qui regarde les filles. Voilà, donc bon, je peux parler parce que je suis pas mieux, mais voilà quoi. Alors on continue. Donc à l'intérieur de cette arène, l'intérieur, on trouve des Pokémon de type plante. Au secours, au secours, au secours, au secours! Je pourrais pas survivre sans mon Arcanin, moi. Bien. Mais je veux pas de celui-là en plus. Bon. Alors. Donc il y a le petit Chétiflore d'un côté, et après il y a l'Ampiflore de l'autre, enfin Boostiflore d'abord, pardon. Donc Boostiflore, l'évolution de Chétiflore, hein, et puis après Ampiflore qui évolue grâce à une pierre plante, je crois. Donc je sais pas comment avoir un Chétiflore, mais je vérifierai de toute façon. Alors on y retourne, voilà. De toute façon moi je me battrai pas sans mon Arcanin, hein. Voilà, pour être clair là-dessus. Voilà. Donc on se bat contre une canon, oh yeah. C'est vrai qu'elles sont jolies en attendant, hein, c'est sûr, mais bon. Donc elle envoie des chétiflores, on les brûle avec du feu, et ça fait bien mal. Donc là on a notre Pokémon feu, hein. Enfin, moi j'ai mon Pokémon feu jusqu'à la fin du jeu. Je changerai pas jusqu'à la fin, quoi. Et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Donc je vais essayer de le booster à fond. Ça serait bien. Donc. Alors on continue, voilà. On continue de se faire toutes les dresseuses. Oui, c'est vrai qu'il y a c'est que des dresseuses. Et ça me dérange pas, personnellement. Voilà. Donc, on continue. Qu'est-ce que je voulais faire déjà? Ah, mais oui, c'est vrai. Un antidote. Oh, il va falloir que je commence à vendre mes objets. Ça serait une bonne idée, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, c'est pas une bonne idée. Donc, voilà. Feu. 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 Voilà, je brûle, feu à volonté. On pourra faire des chamallows grillés comme ça. Ouais. Donc ça c'est, oh, je sais plus comment il s'appelle. Orchid. Orchid, c'est l'évolution de Misterbe. C'est sa première évolution, et puis après bah, il évolue en Rafflesia grâce à une pierre feu. Mais de toute façon, bah, vous verrez ça dans la partie où on fait grimper des Pokémon. Il n'y a pas de partie où on fait grimper les Pokémon prévues, mais... Au pire, ça s'anticipe. En gros, ce que je vais faire, c'est que je pourrais vous épargner le moment où je fais level up mon mystère. Bah, je le ferai entre deux épisodes comme ça. Bah, je le fais monter de niveau et puis après je le fais évoluer devant vous, par exemple. C'est plutôt une bonne idée, ça. Ouais, c'est une bonne idée. Je me parle tout seul, mais c'est parce que vous pouvez pas répondre. C'est ça en fait. Donc. On retourne se soigner avant d'affronter la championne. La championne, la petite championne, bien mignonne. Et ça. Oh là 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 là. Hop hop hop, je fais des zigzags. Je suis pas bourré pourtant, mais. Alors, on retourne affronter la championne. Hop, je sauvegarde au cas où. Voilà. Donc, je l'affronte. Oh, le bel Ampiflore. Ampiflore, évolution de Boostiflore et de Chétiflore. Par une pierre plante. Donc ouais hein. Ouais. Bravo. Bravo Arcanin, bravo, tu gères. En fait, je me demande si j'ai bien fait de te prendre. Non, je rigole. C'est juste que je suis pas vraiment sérieux, c'est tout. Donc, elle va prendre un autre Pokémon, je sais plus ce que c'est. Ah oh, bah, sac de nœuds, c'est celui-là. Sac de nœuds, c'est un Pokémon uniquement de type plante, hein, donc des attaques de type poison ou insecte pourraient faire l'affaire. Ou feu ou vol, hein. En fait, il est faible à toutes les attaques presque. Sauf au psy. Donc dernier, c'est Rafflesia, type plante et poison, évolution d'Orchid, par une pierre plante. Donc pour le battre, il suffit juste d'avoir des attaques psy et puis ça, ou des attaques vol, hein, quand le perso psy, enfin le Pokémon psy est mort, c'est sûr qu'on a pas trop le choix. Donc du coup, bon, voilà, je vais essayer de l'avoir avec lui. Voilà, donc voilà, Erika, on l'a battue, c'est cool. Elle nous donne une petite CT. CT très importante, qui est très puissante. Ça s'appelle Giga Sensu. Donc,
On va la prendre d'ores et déjà à notre cher, comment il s'appelle? Cher, comment il s'appelle? Air Bizarre, voilà. Donc Air Bizarre, on lui apprend, hop, 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 on s'en va. Et ça y est, on a le quatrième badge dans notre poche. Donc on commence à, on avance, les amis, on avance beaucoup même. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on se dépêche encore parce qu'il nous reste un long chemin à faire. Quand j'aurai mes AP pour poutrer les 1, prenons tous des FP. Oh, je chante trop bien. Bon, on va aller au casino. Alors, pour si jamais vous avez envie de jouer au casino, vous allez dans la maison. Cette maison-là. Non, pas cette maison-là en fait. Cette maison-là. Non, pas cette maison-là en fait. Cette maison-là. Oh bah non, pas celle-là non plus. Bah, je sais pas dans quelle maison faut aller. Faut aller dans une maison et puis faut voir, faut aller voir un vieillard et puis il va nous donner une boîte de jetons normalement. Ah, mais je sais pas où est-ce qu'elle est. Je sais pas où est-ce qu'elle est du tout. Bon, je vois pas du tout. Je suis vraiment désolé. J'ai rien vérifié, mais bon, on verra ça dans le prochain épisode. Alors, vous allez derrière, vous montez les escaliers. Ouais, c'est ça. Vous montez les escaliers. Et puis là, il y a un Evoli. Donc, on l'appelle, je sais pas comment on l'appelle, on le garde. Voilà, hop, 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 Evoli, on fait descendre. Non mais, ah, j'ai dit descendre. Voilà. Evoli, est un Pokémon de type normal qui pourra évoluer en, enfin, qui a une multitude d'évolutions en fait. Il a beaucoup de possibilités d'évolution différentes, presque une dans chaque élément, hein, surtout dans les autres, dans les versions, les prochaines générations de Pokémon. Mais dans celle-là, il en a que 3, je crois, ou 2. Ou enfin 3 ou 4 pardon. Donc on prend l'Evoli, on le fait évoluer. Je sais pas en quoi le faire évoluer, mais je pense qu'on va le faire évoluer en Aqualie, en Aqualie. Parce que c'est vrai que maintenant qu'on y pense, on n'a pas encore de Pokémon eau. Donc soit je garde cette Aqualie, soit je prendrai l'eau classe à la place. Qu'est-ce que j'ai déposé déjà? Bon, on va le redéposer pour plus de sécurité. Alors, j'avais posé qui? J'avais posé qui déjà. Putain, je suis... Ah bah oui, j'avais posé Raichu, je suis con. Donc, on va reprendre Raichu en fait. Et puis, ah merde, j'aurais dû le faire évoluer en Voltali. Bon, écoutez, je vais retourner en arrière et puis je vais me rebattre contre cette connasse là. Je suis vraiment désolé, hein, mais. Donc du coup bon. Je pense que ça je vais le couper, mais je suis pas sûr. Je sais pas si. Non, non, en fait non, je vais le garder. Donc je me bats vite fait contre cette folle furieuse là. Et puis après, bon, je retourne prendre mon Evoli. Ah là là, je suis vraiment désolé, hein. Je ferai en sorte que ça ne se reproduise plus. Donc c'est cool, on a perdu 5 ou 6 minutes là. Voilà, ça c'est fait. Bon, je tac, voilà, tu me tues, c'est bon. Alors, on va prendre celui-là. Voilà. Allez, vite, 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 vite. Alors. Tu, tu, tu. Voilà, donc, j'apprends la CT. J'oublie Vampigraine parce qu'elle ne sert plus à rien, comme un con. Fou, 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 fou. Donc. Voilà, donc revient là où on en était. Allez, soigne plus vite, connasse. Non, je rigole. Oh là là. Allez, allez, allez. Donc on rentre par le derrière d'un manoir, hein, c'est trop cool ça. Prenez vite ce truc. Voilà. Donc, je vais remplacer mon Raichu par un Voltali. Voilà, parce qu'en fait j'ai plus envie d'un Raichu. Au début j'avais envie d'un Raichu, mais finalement bon, je me suis dit non. Vu que c'est plus un Pikachu, c'est plus rigolo. Donc hop, on jette le Raichu, on prend l'Evoli à la place. Et en plus on gagne un niveau comme ça. Alors, est-ce qu'on a une pierre? Non, on n'a pas de pierre de pierre foudre, alors on va en acheter une, encore une fois. Hop. Bon, maintenant je connais, hein. Alors, on achète une Thunderstone, voilà. Hop. Donc, j'utilise la Thunderstone sur Voltali, Evoli, qui devient un Voltali. Ouais, c'est bien rigolo comme ça. Ça m'avance bien, tiens. Bon. Ça se trouve, il y a un vendeur de CT pas loin.
Alors, je vais racheter des Pokéballs, hein. Ça aussi. Là, ils ont quoi là? Allez, c'était cool. Ultra laser, tunnel, brick break, secret power, secret. Bon, ça m'intéresse pas. Je veux un truc du type éclair, moi. Oh là là, qu'est-ce qui m'embête? Bon, donc le casino. On va peut-être pas y aller tout de suite. Oh, quoique si, on peut y aller tout de suite au pire. Allez, on y va. Soyons fous. Donc, on va parler au mec de la Team Rocket là, et puis il nous attaque comme un con là. D'ailleurs, il sait pas l'erreur qu'il fait de tomber contre mon Arcanin ultra cheaté. Voilà, donc hop hop hop, il est parti, ça y est, vous appuyez derrière le bouton qui est derrière le poster, enfin sur le bouton derrière le poster, et on arrive dans la cachette. Rocket, yes! Donc on descend le premier étage, après on descend peut-être le deuxième étage, je crois, autant le descendre, hein. Et puis on en profite pour descendre aussi les sbires, parce que bon, c'est pas qu'ils font chier, mais quand même, hein. Donc vite fait, vite fait, vite fait. Alors, Humber, voilà, c'est cool. Tatatatata. Je suis en train de défoncer mon clavier. Non, en fait, non, ça va. Je pensais. Donc là, il y a une espèce de petit labyrinthe un peu sympa, un peu marrant. Donc, ah, j'ai trouvé une pierre lune. Ah bah ça, c'est une super idée, ça. Donc, j'ai trouvé un truc pour plus de speed. J'en ai pas besoin pourtant. Bon. Alors vous calculez bien là où vous allez atterrir, hein. C'est pas compliqué, mais faut le savoir quoi. Donc là on atterrit derrière dans un ascenseur, mais comme on n'a pas la clé, bah on peut pas y accéder, on peut pas y le faire fonctionner. On trouve une hyper potion qui restaure 200 PV, ça c'est un truc de malade aussi. Donc voilà, hop hop hop. Alors on essaie de vite fait les finir comme ça. Un ratata, ok. Un ratatac maintenant. Ok, ça évolue. Bon, en fait, il a que ça, quoi, c'est ça. Oh, qu'est-ce qui m'embête? Alors, au pire, il n'y a rien ici. Donc, on rentre à la maison. Enfin non, on retourne, on continue de descendre un étage, et puis là, on va trouver un truc encore plus intéressant qui sera la clé pour l'ascenseur. Donc. Suivez le chemin ci-contre, hein, si que je vous indique. Oh super bonbon, un super bonbon. Ta ta ta. J'adore ces trucs. Attends, je vais faire monter de le niveau quelqu'un. Celui-là. Voilà. Oh merde, je croyais qu'il allait apprendre une capacité. Oh putain. Bon, GG le gâchis. C'est pas grave. Alors, vous allez prendre celui-là. Voilà. Et on continue le baston. Voilà. Non, 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 non. Alors lui, je sais pas comment il va faire pour se débrouiller, mais... Bon, je crois que je vais le faire monter d'un peu de niveau parce qu'il en a besoin. Donc là, vous avez votre... des lunettes noires, tiens. C'est pour augmenter le taux de coup critique. Alors là, vous ramassez le max, l'huile max, là. C'est trop cool, ça. Là une CT aussi, donc on s'en fout plein les poches, hein, c'est cool. Et puis vous allez affronter ce sbire qui va vous donner la clé quand vous l'aurez battu. Normalement, hein. Nya. Non! Oh ce con! Voilà, donc c'est l'attaque destruction dont je vous parlais, qui est une attaque complètement what the fuck. Lol. Oh zut, il a fait tomber la clé. Bon, je la ramasse. En fait, je vais racketter sa clé si je puis me permettre, parce que c'est pas très légal de voler des trucs comme ça aux gens. C'est bon, c'est pas grave. Alors, merde, 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 merde. Mais je veux rentrer, moi, je veux rentrer. Je veux rentrer. Oh oh. Eh oh. Bon, voilà. Donc, je remonte, hein, je retourne à la maison me soigner, vite fait. Vite fait, bien fait. Nya. Voilà. On y va, on y va. Allez, vite, il ne reste plus beaucoup de temps, tout, 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 tout. Enfin, non, plus beaucoup de temps pour moi, quoi, parce que, pour vous, bon, j'en sais rien. Merde, j'ai affronté un mauvais sbire, c'est pas grave. Alors, je vais essayer de ralentir un peu, parce que, bon, apparemment, j'arrive pas à gérer la vitesse. C'est dommage.
Alors, on continue d'avancer. Non, je me suis trompé. Bon, bah, autant commencer. Bon, par contre, la musique, elle est un peu bizarre, hein, c'est sûr. C'est un peu de la musique de drogué, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, j'ai l'habitude, moi, donc je m'en fous. Mais... Ah, mais non, je suis con. Faut qu'on retourne à l'étage 1. Oh putain. Heureusement que vous écoutez pas ce que je dis, hein, deuxième fois. Donc, j'en étais où? Ouais, donc on va ici, voilà, tac, tac, tac. Faut que j'aille où? Ici, voilà. Donc, on va prendre l'ascenseur. Avec la jolie petite musique composée par... Non, je sais pas, en fait, il n'y a même pas de musique. On va à l'étage 4. Et on se bat contre les deux. Ouais, étage 4, on se bat contre les deux, c'est logique, c'est normal. Donc, des petites sabelettes. Ouais, c'est mignon. Oh, le sablero maintenant, tiens, ça change. Donc... Gigadrin. Ouais. Ouais, ça fait pas grand-chose, en fait. Enfin, si, mais sauf que là, c'est un type poison, donc du coup, c'est pas super efficace, quoi. C'est dommage, mais c'est pas grave. Donc, Gigadrain, c'est un truc qui vous redonne la moitié des PV volés. Enfin, volés... PV enlevés, on va dire. Ça va vous redonner la moitié de ces PV-là, et puis, du coup, bah... C'est un truc qui va vous permettre de vous soigner, quoi. Et ça, c'est vraiment une bonne chose aussi. Donc, le Arbok évolution de Habbo, hein, je sais plus à quel niveau d'ailleurs. Je m'en fous. Vous prenez la petite Pokéball, très important. Donc, le calcium, vous allez utiliser sur Kadabra. Parce que ça augmente l'attaque spéciale. Et l'attaque spéciale, bah, c'est l'atout principal de Kadabra, en fait. Donc, c'est pour ça que j'utilise dessus. Alors. Ça fait quoi? Ça bouge les attaques de type Dark. Comme c'est lui qui a la seule attaque de type Dark que j'ai, bah je vais lui donner. Quoi d'autre? Est-ce qu'on avait quelque chose d'autre? De l'éther. Éther balancé. Ça sert à rien ça. Bon, au pire on n'a rien. Et puis ça va très bien comme ça. Il me faut un paralysie heal, mais je sais pas si. Ah si j'en ai. Yes. Non, c'est pas sur lui. Non, c'est pas sur lui. Voilà, c'est lui. Potion, voilà. Donc, on affronte le boss qui s'appelle Giovanni. Lord, alors, on y va, on y va, on y va, voilà. Hop, je reprends ma vie. Merci. Alors là, il nous affronte avec un Rhinocorne, un Onyx que je viens de battre, et un Kangourex. C'est rigolo les Kangourex, mais ça fait mal. Donc, faites attention. Méfiez-vous. Méfiance, méfiance. Parce qu'en fait, il a énormément de PV, donc c'est ça le truc. Il faut soit un truc à retardement, donc un truc qui soit sûr de l'empoisonner, soit un Pokémon qui serve de tank en fait. Donc en gros, qui va servir à encaisser les dégâts et puis à pouvoir le taper en même temps, quoi. Et pour ça, rien de mieux qu'un Nidoking, vu qu'il a beaucoup beaucoup de PV, quoi. Et puis Arcanin aussi, il en a pas mal, hein, de toute façon. Donc, on continue. Voilà. Hop. Il en reste pas beaucoup, hein. De toute façon, on a quasiment fini là. Voilà. Donc, on n'a plus qu'à remonter. Ça y est, on a gagné. On a gagné, on a gagné. On a gagné les doigts dans le nez. Hop, hop, hop. Alors. Ouais. En plus, on est pile dans les temps. C'est exactement ce qu'il faut. Donc. Pour terminer, je vous propose de faire évoluer notre petit Mélofée qu'on avait capturé au Mont Sélénite, ou le Rondoudou, au choix. Donc moi je pense que je vais prendre le Rondoudou, comme ça on aura un gros doudou au niveau 3. Magnifique. J'ai jamais vu ça de ma vie perso, mais bon, c'est pas grave. Gros doudou! Hop, hop, hop. Niveau 3. Gros doudou au niveau 3. Bon, il a gagné un PV. Ah là 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 là. Là 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 là. Et puis il a une seule attaque, c'est berceuse. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, on va pas s'en servir pour se battre, on s'en sert juste pour notre petite collection de Pokémon. Donc, où est-ce qu'il est le dernier? Il est là, voilà. Hop, 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 hop. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pendant ces 2 dernières minutes? Je sais pas, on pourrait... Bon, en fait, il n'y a rien à faire, mais c'est pas grave, on n'a qu'à aller boire du thé. Donc, on va demander à la grand-mère quelque chose, et puis elle va nous donner du thé. Voilà, du thé. Elle nous donne du thé. Alors, grâce à ce petit, eh ben, on va pouvoir accéder à la ville qui s'appelle, oh, je sais plus comment ça va être, Safrania, je crois. Voilà. Donc, on donne le petit
aux gardes, et puis maintenant on peut passer. Wop, 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 wop. Donc, magie, magie, on se retrouve dans Safrania, nouvelle ville, nouveau badge, nouvelle arène. Enfin, nouveau badge, pas tout de suite, mais nouvelle arène. Et puis, nouvelle énigme. Donc, maintenant, on n'a plus besoin de prendre les souterrains, on peut passer directement par là. Et puis, vous pouvez remarquer que si vous descendez, vous arrivez à Carmin-sur-Mer. Voilà. Donc, voilà, je pense que là, c'est bon. On a tout fait pour les nouveautés. Donc, écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Et à bientôt pour de prochains tutos. Enfin, tutos, de prochaines vidéos. Putain, je suis fatigué, moi, il serait temps.